Le stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou a été entièrement rénové et les travaux ont été lancés en novembre 2018. Et selon le calendrier, il devait être livré pour décembre 2020. Et vous savez que la pandémie du coronavirus est venue retarder un peu les choses. Ça a pris un retard de 6 mois, mais nous y sommes. Et je dirais plutôt que le stade a été complètement mis à neuf. Nous avons la pelouse qui a été entièrement refaite, les gazons ont été repiqués. Nous avons la piste d'athlétisme qui a été remplacée. Nous avons la salle de presse complètement rénovée. Les gradins, les sièges ont été remplacés entièrement et nous avons aujourd'hui des sièges de qualité supérieure. Le marquoir électronique a été complètement remplacé et nous avons des écrans aujourd'hui LED de normes internationales. Nous avons 31 caméras installées sur le stade. Ça, c'est les nouvelles normes aujourd'hui, les normes de sécurité. Et ces 31 caméras sont contrôlées dans une salle et qui permet de regarder tous les compartiments du stade. Nous avons également le système de sécurité incendie qui est aujourd'hui fonctionnel. L'arrosage automatique de la pelouse est fonctionnel. Au niveau de là où nous devons recevoir les autorités, nous avons la salle présidentielle. Nous avons une salle dédiée également aux ministres et nous avons pour finir 2 salles VIP avec tout le système de climatisation central. Il y a aussi la sonorisation de tout le stade qui a été remplacé. Il y a également le projecteur qu'on a rénové entièrement et nous avons aujourd'hui un stade qui peut accueillir les matchs nocturnes sans difficulté et la prise des images de l'OETB seront des images nettes aux normes internationales. Nous devons remercier le gouvernement béninois pour ce travail qui a été fait.